Assalamu alaikum mbokk yi dal leen ak jam ci sen chaîne YouTube Mat Idi tay nak ñu ñëw and ak yeen dem ziaré mbokk terminal yi terminal S ngir continuer liggéey buñ fi tambalé won ci walu nombre complexe gisoon nañ lan moy walu nombre complexe ci première vidéo bi ci ñaarël vidéo bi gisoon nañ lan moy module ak argument tay nak dañu bëggoon def quelques exercices pour xool naka lañu utiliser formule yi nga xamné gis nañ ci ko ci cours bi bu bañé nek cours bi nga xamné day dem rek té duñ def ay application ci formule yi nga xamné mom lañ gis kon ñu tambalé ci exercice yu jëm ci walu conjuguer calcul de conjuguer voilà donc fi damay tambali c'est mon premier exercice damay jox ben nombre complexe z égal à 1 plus i multiplié par 7 moins 3i ñu néma na calculer conjuguer nombre complexe bi ma sétlu ni complexe bi c'est le produit de deux nombres complexes suma xalaté bu baax amna formule bu may wax que quand tu veux le conjuguer d'un produit tu fais le produit des conjugués donc c'est parti je fais z bar égale à 1 plus i facteur de 7 moins 3i je fais le conjugué ok. Donc, le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Donc, je fais 1 plus i conjugué multiplié par 7 moins 3i conjugué. OK? Après, je fais quoi? Ça, c'est un nombre complexe. Le nombre complexe, si je veux que je sois conjugué, je regarde juste la partie imaginaire et je change le signe de la partie imaginaire. Fait plus le, ça va être moins. Et donc, il n'y aura plus de barre. Ok, ça va être 1 moins i. Phi, ça sera 7. Ici, c'était moins. Parce que le signe de la partie imaginaire, donc moins 3, le signe c'est moins. Donc, je fais ici plus 3i. Ok. Après, résultat, je développe 1 fois 7, 7. 1 fois 3i, plus 3i. Moins i fois 7, moins 7i. Moins i fois 3i, donc ça fait moins 3i au carré. Mais n'oubliez pas que i au carré égale à moins 1. Donc ça me fait 7, 3i moins 7i, moins 4i, moins i au carré moins 1. Moins et moins, ça me fait plus, donc plus 3. Donc là, ça me fait 7 plus 3, 10, 10 moins 4i. Donc ça c'est z bar. Mais encadrer ce résultat. Voilà. Exemple numéro 2. Puis, je prends un nombre complexe. Z égale à 1 plus i divisé par 3 moins 3i plus 2. Mais pourquoi conjuguer un nombre complexe bien? Yang na sama cour gis na ni quotient d'un conjugué OK moi affaire bi ni z sur z prime conjugué égale à z conjugué sur z prime conjugué si z prime est différent de 0 jox ma exercice ici il y a un quotient on me demande le conjugué j'applique exactement la formule conjugué de z égale à 1 plus i barre de fraction 3i plus 2, le tout conjugué. Ok? Maintenant, si je voulais conjuguer un quotient, je vais conjuguer de chaque partie, du dénominateur et numérateur. Donc, 1 plus i conjugué divisé par 3i plus 2 conjugué. Égal. 1 plus i conjugué, je change juste le signe de la partie imaginaire. Donc, ici, plus, ça devient moins. 1 moins i divisé par 3i plus 2. Je change le signe de la partie imaginaire. Où est la partie imaginaire? C'est pas le 2. Attention, la partie imaginaire, c'est le nombre qui est avec le i. Donc 3, devant le 3, il n'y a personne. Donc c'est plus. Ok? Non, il y a mes signes. Plus, donc ça devient moins. Donc, phi d'énec, moins 3i plus 2. Mais le résultat, je ne laisse pas le résultat comme ça. OK?
Il faut comme mettre que sous la forme de A plus IB. En faisant quoi? En multipliant le dénominateur par son conjugué et le numérateur par le conjugué du dénominateur. Je continue. Ça me fait 1 moins I facteur. Donc B, je prends son conjugué encore. OK? Donc ça me fait 3 I plus 2 divisé par moins 3 I plus 2. Facteur 2, 3i plus 2. Voilà. Et puis je continue. On continue, fini. J'ai toujours z bar égale 1 fois 3i, ça me fait 3i. 1 fois 2, ça me fait plus 2. Moins i fois 3i, ça me fait i au carré, c'est moins 1. Moins et moins, ça me fait plus. Donc ça fait plus 3. Moins i fois 2, ça me fait moins 2i. Divisé par. Ça, c'est z bar. Z bar, guissons-nous, c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc, inutile de développer. Vous voulez développer aussi, à mon problème, vous aurez le même résultat. Partie imaginaire au carré. Donc, moins 3 au carré. Moins 3 au carré. Plus partie réelle au carré. Donc, 2 au carré. Égal 3i moins 2i, ça me fait i. 2 plus 3, 5. Divisé par 3 au carré, 9. Plus 2 au carré, 4. Égal i plus 5. Maintenant, je préfère écrire 5 plus i. Mais c'est la même chose. 5 plus i, divisé par 9 plus 4, 13. Vous voulez dire que le résultat est vous voulez aussi nous séparer partie réelle et partie imaginaire. OK? Donc, vous voulez 5 sur 13. Sur 13. OK? Voilà. 5 sur 13. Plus 1 treizième de i. Voilà. B moins z2, z bar. Nous revenons sur l'exemple numéro 3. On me donne un nombre complexe. Z égale à i. Multiplié par 1 plus i au carré. Minimum, on voit le conjugué de ce nombre complexe-là. Puis, il y a trois choses. Il y a un produit, il y a i, mais aussi il y a une puissance. OK? Mais à mon problème, vous n'êtes qu'à une formule de Kourgi. Vous n'êtes qu'à expliquer. Le conjugué de z égale à 1 facteur de 1 plus i au carré, le tout conjugué. OK? On a dit que le produit d'un conjugué, c'est le produit des conjugués. Donc, phi, je vais mettre le conjugué de i à part, ma part conjugué benembe à part, égale à i conjugué multiplié par 1 plus i au carré conjugué. Mais l'identité, avec en même temps, conjugué de i, on change le signe de la partie imaginaire. La partie imaginaire, elle est où? Ce n'est pas le i. C'est le nombre qui multiplie le i. Donc c'est 1. 1, son signe, c'est plus 1. Parce qu'il y a, en fait, il y a rien du tout ici. Je change juste le signe, ça devient un moins. Moins i. Mais il y a un problème bi. Fille, j'ai une puissance. Mais à mon inconnu, le conjugué d'une puissance, c'est la puissance du conjugué. C'est-à-dire que puissance, c'est le multiple conjugué bi. Je fais ça étape par étape. 1 plus i conjugué au carré. OK? Encore moins i produit. 1 plus i sont conjugués. Je change le signe de la partie imaginaire. Partie imaginaire i. Partie imaginaire, voilà, le 1 qui est là, devant, on a un plus. Donc ça devient un moins. 1 moins i au carré. Après phi, l'idée, on développe ici. A moins B, le tout au carré. A au carré, 1 au carré, 1. Moins 2AB, donc 2 fois 1 fois I, 2I. Plus B au carré. Mais le B au carré, c'est moins 1. Donc plus, moins devant 1, plus devant 1 moins, ça fait 1 moins. Donc moins 1. Là. Donc phi, ça en fait quoi? Moins I. 1 moins 1, ça fait 0. Moins 2I.
fois moins 2i. OK? Moins fois moins, ça fait plus. I fois i, ça fait i carré. I carré, c'est moins 1. Donc, au final, il ne me restera que moins 2. Donc, les moins, z bar. OK? Remarque par rapport à Bini. Remarque. Fini. Si j'ai z égale à i, 1 plus i, le tout au carré. Mounon a développé d'abord, ok, calculer, sogodjel, conjugué bi. Parce que fi suma défé, i facteur de 1 plus 2i moins 1, en développant ici. Donc ça m'a fait i facteur de 1 moins 1, ça fait 0. 2i ici, i carré moins 1. Donc ici, ça me fait combien? I carré, ça me fait moins 1. Donc là, ça me fait moins 2. OK? Z. Et donc, z est un réel. Et n'oubliez pas, le conjugué d'un réel, c'est lui-même. OK? Donc, z bar est égal à moins 2. C'est beaucoup plus rapide que ni, mais ni, ça nous permet d'appliquer les formules qu'on a vues dans le cours. OK? Bel exercice, mais cette fois-ci un peu plus technique. Soit z, petit z, égale à x plus iy. Ok, un nombre complexe avec x différent de 1, y différent de 0. On pose grand Z égale à petit z plus 2i sur petit z moins 1. On nous demande de déterminer l'ensemble des points pour que nombre complexe bi, grand Z, soit un réel. OK? Donc, fille, je vous rappelle, en général, quand on demande ensemble de points, on essaie d'aboutir à une relation entre x et y. Donc, sans le i, une relation réelle entre le x et le y. Ces relations-là peuvent aboutir à une droite. Donc, il faut connaître l'équation d'une droite. Peuvent aboutir à un cercle. Donc, il faut connaître l'équation d'un cercle. Mon aboutit tom qui a à faire. OK? Donc, fini. Déterminons l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan pour que grand Z soit un réel. Voilà. Ce qu'on va faire, on va prendre grand Z, on va remplacer petit z par x plus iy. OK? Grand z égale à barre de fraction. Comme ça, on n'est pas embêté. X plus iy plus 2i. Z, x plus iy moins 1 égale. Ma dégâts les parties réelles à côté, partie imaginaire à côté. Phi partie réelle x, qu'est-ce que c'est là? Modulo x. Plus i, parenthèse. Y plus 2i. Plus 2. Y plus 2. Voilà, parenthèse, tu parties imaginaires. Sur. Phi tam madagale. Partie réelle. X moins 1, partie réelle. C'est-à-dire que amoul i. Donc, ça me fera x moins 1 d'un côté. Plus iy. Gisnen, fraction de nombre complexe. Donc il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc, z égale, je mets ma barre de fraction, le numérateur x, ok, plus i facteur de y plus 2. Le tout multiplié par x moins 1 moins iy. Moins iy.
Je ferme la parenthèse. Pour le conjuguer, on change juste le signe de la partie imaginaire. Donc, je divise le numérateur. Le dénominateur, x moins 1 plus iy par x moins 1 moins iy. Je ferme la parenthèse. Je continue. Mon limite est d'abord dénominateur. Dénominateur, z bar. Parce que ça, c'est le conjugué de celui-là. Donc, c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Partie réelle au carré. La partie réelle, c'est tout ce qui est avant le i. Donc, c'est ça. Partie réelle au carré. OK? X moins 1 au carré. Plus partie imaginaire, c'est le y. OK? Y au carré. Partie imaginaire, on a besoin de i beaucoup aussi. Vous voyez ce que tu fais? Mais l'identifier numérateur. OK? Pour l'identifier, il faut être un peu technique. C'est juste un développement, mais il ne faut pas se mélanger. X par celui-là. Ça me fait x facteur de x moins 1 moins x, donc i, x, y. Très bien. Moi, j'ai i. I, y plus 2 facteur de x moins 1. Donc, ça me fait plus i facteur de y plus 2 facteur de x moins 1. Je ferme la parenthèse. Mon double phi. Moins fois plus, ça me fait moins. I fois i, ça me fait i carré. Mais i carré, c'est moins 1. Moins et moins, ça me fait plus. Mais des plus, déjà. Y fois facteur de y plus 2. Donc, y facteur de y plus 2. Donc, par exemple, numérateur. Mon double ben arrangement. Partie réelle à part, partie imaginaire à part. Pour cela, barre de fraction, bon phi. Je mets le dénominateur. Dénominateur, ne développez pas, parce qu'on n'en a pas besoin. X moins 1 au carré plus Y au carré. Phi, ça c'est partie réelle. Donc je repère les parties réelles. Partie réelle sans le I, avec I, avec I. Partie réelle sans le I. Ok? Ma boîte est laine. Sous manière de me développer, sous manière de me développer. Pour le moment, j'en ai pas besoin. X facteur de X moins 1 fait plus Y facteur de Y plus 2. Ma partie imaginaire plus i facteur. Okay, je factorise par i dans la partie imaginaire. Puis là, là, je vais plus i. Attention, je factorise par plus i. Donc ici, il me restera x moins xy. Moins x, y. Et là, il me restera y plus 2 facteur de x moins 1. Plus y plus 2. Facteur de x moins 1. Je ferme la parenthèse. Parenthèse B aussi, je ferme la parenthèse. Très bien. Donc ici, on distingue bien la partie réelle de la partie imaginaire. Je m'en encore, pour me donner l'air, je vais séparer encore avec le dénominateur. Ça me fera x facteur de x moins 1 plus y facteur de y plus 2 divisé par x moins 1 au carré plus y au carré plus i barre de fraction. OK? Donc je mets ici moins x y plus y plus 2 facteur de x moins 1. Et je mets ici le dénominateur, donc x moins 1 au carré plus y au carré. Très bien. Donc, fini. L'ernan, amène une partie réelle. Amène une partie imaginaire. Vous me parlez de l'église, vous parlez. On me demande un ensemble de points M du plan pour que mon complexe grand Z, c'est-à-dire celui-là, soit un réel. Et Gissoun, caractérisation des réels, et il faut que la partie imaginaire, il faut que la partie imaginaire soit nulle. Donc, fille de me reprendre. Z est un réel. Si et seulement si RE, donc phi c'est grand Z, hein,
im de z égale à 0. Mais la partie imaginaire, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est tout sans le i. Partie imaginaire, i, bibo aussi. Ok? C'est tout sans le i. Donc, si et seulement si, moins x, y, plus y plus 2, facteur de x moins 1, divisé par x moins 1 au carré, plus y au carré, égal à 0. Voilà, li moi caractériserai. Ok? Et un quotient n'est nul que si son numérateur est nul. Parce que le dénominateur n'est pas nul dans tous les cas. Donc, si et seulement si, moins x, y plus 2, facteur de x moins 1, égal à 0. Et à partir de là, je peux développer ici. Donc, si et seulement si, moins x, y, plus y fois x, x, y moins, fois moins 1, moins y, 2 fois x, plus 2x, 2 fois moins 1, moins 2, égale à 0. Feutre rouge, moins x, y, plus x, y. Ça se simplifie. Donc là, il me reste quoi? 2x. Donc, si et seulement si, 2x moins y moins 2 égale à 0. Donc, lila am au final. Donc, c'est une relation qui lie le x et le y. Et vous faites que vous avez un troisième bouba, c'est l'équation d'une droite. Ok? C'est l'équation d'une droite. Donc, l'ensemble des points M cherchés se trouve, ok? Les points cherchés se trouve sur une droite dont l'équation est celle-là. C'est un exercice classique qu'on donne en général. Nous demandons de déterminer l'ensemble des points pour que grand Z soit un réel. Donc, Daphne, je le Z remplace par X plus Y, tout me souffle, sépare partie réelle, partie imaginaire, annule partie imaginaire pour que mon est réel. Ok? Vous faites que d'un on veut que ça soit imaginaire pur. Dans le même procédé, mais si vous avez fini, vous allez annuler la partie imaginaire, vous allez annuler la partie réelle. Ok? Très bien. Un dernier exercice sur calcul de modules et d'arguments. Soit Z1 égale à 1 plus I, Z2 égale à moins 3 plus racine de 3i. Très bien. Déterminer un argument de Z1 et de Z2. En déduire un argument du produit Z1 fois Z2. Très bien. Donc, fi réunir ben nombre complexe. Z1 égale à 1 plus i. Benen, moins 3 plus racine de 3i. Nous allons déterminer argument ou nombre complexe bi, un argument, bitamine un argument. Donc, faut pas oublier les modules de pi. Gisson nenne. Vous faites que theta 1 de fait désigner l'argument de Z1, Gisson nenni que le cosinus de θ, c'était la partie réelle, ok, donc ici 1, divisé par le module de Z1. Voilà, vous faites que θ1, c'est un argument du complexe Z1. Disons que le cosinus de θ, vous faites que θ, c'est l'argument du Z1, c'est la partie réelle de ce nombre complexe, hein, divisé par le module. Ok? Donc, fiche. Et que le sinus égale, c'est la partie imaginaire, donc 1, divisé par le module. Z1. Très bien. Donc, bonne nuit d'un fin de calculer
cosinus θ1 à cosinus θ, si actionnus θ1, il faut d'abord calculer le module de θ de z1. Le module de z1 égale, donc la partie réelle au carré, il faut mettre la racine carrée, partie réelle au carré, donc 1, plus la partie imaginaire au carré. Partie imaginaire, c'est celui qui est devant le i, c'est pas le i, 1, donc ça en fait racine de 2. Très bien. Magnifique, calculer ça, mon cosinus θ 1. Cosinus θ 1. C'est 1 sur racine de 2. Racine de 2, qu'est-ce qu'on va au dénominateur? Il faut multiplier en haut par racine de 2 et en bas par racine de 2. Pour simplifier les racines de 2 en bas. Une fois racine de 2, racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça en fait 2. OK? Donc cosinus de θ 1, c'est racine de 2 sur 2. Je fais de même pour le sinus θ 1. Sinus θ1 égale 1 divisé par le module. Le module, c'est racine de 2. La même chose ici, donc ça me fait racine de 2 sur 2. Donc à partir de là, j'ai mon θ1. θ1, c'est l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et dont le sinus vaut racine de 2 sur 2. Table trigonométrique, θ1 égale à pi sur 4. OK? Comme il s'agit d'un argument, je vais mettre pi sur 4 modulo 2π. OK? Égale pi sur 4 modulo 2π. Très bien. Ma somme, Z2. Z2, la même chose. Je vais poser cos θ 2 égale à moins 3 sur module de Z2, sinus θ 2 égale à racine de 3 sur module de θ de Z2. Cos θ 2 égale à moins 3 sur module de Z2. Et sin θ 2 égale à racine de 3 sur module de Z2. Donc il faut calculer module de Z2. Module de Z2 égale racine carrée, partie réelle au carré, moins 3 au carré, 9, plus partie imaginaire au carré, racine de 3 au carré, 3. Voilà. 9 plus 3, 12. Donc ça me fait racine carrée de 12. 12, c'est 3 fois 4. Et ça, c'est fois. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc ici, ça en fait 2 racine carrée de 3. Donc ça, c'est le module de Z2. Je me parais, m'encadrer ce résultat. M'attaquer, cosinus axinus. Donc cosinus de θ 2 égale à moins 3 sur 2 racine carrée de 3. OK? Je ne veux pas de racine carrée de 3 en bas. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 3. Donc ça me fait ici racine carrée de 3, ici racine carrée de 3. Donc là, ça me fait moins 3 racine de 3 divisé par racine de 3 fois racine de 3, ça me fait 3. 3 fois 3, bon, là, 2 fois 3. Fois 3. Je simplifie par 3 et 3, donc ça me fait moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2. Ma somme sinus bi. Sinus θ 2 égale racine carrée de 3 divisé par, pardon, divisé par le module. Le module, c'est 2 racine de 3. 2 racine de 3. Ici, je simplifie par racine de 3, ça me fait 1 demi. Très bien. Donc ici, l'angle dont le cosinus est moins racine de carré, moins racine de 3 sur 2 et le sinus 1 demi, c'est 5 pi sur 6. Donc θ 2 égale à 5 pi sur 6 modulo 2 pi. À présent, amenons à son argument Z1, amenons à son argument Z2. Donc maintenant, calculer l'argument du produit en appliquant une formule du cours.
Pour cela, on va effacer phi et puis on va calculer cela. Nous devons calculer l'argument de z1 fois z2. Arg de z1 fois z2, formule courbe Mounemalan, produit, l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc c'est argument de z1 plus argument de z2 modulo 2pi. Phi à mon ami c'était pi sur 4 plus phi 5 pi sur 6 modulo 2 pi. Un petit calcul, 6, donc je mets au même dénominateur 6 pi, ici 20 pi, ça me fait 26 pi. 4 fois 6, 24 modulo 2 pi. Après, ma belle simplification, par 2. 26 par 2, ça me fait 13. 24 par 2, ça me fait 12. Donc, phi, ça me fait 13 pi sur 12 modulo 2 pi. Donc, l'imo argument où le produit z1 fois z2. Mon exercice, vous avez solo. Vous avez fait permettre de nous appliquer l'argument produit, l'argument d'un produit. Ok? Donc, moi qui nous aime phi. Ba benen inshallah ñu ngi leen jaajeufal di leen wax bu fekke bëgg ngeen cours yi def mën ngeen aimé mën ngeen liker way aussi ngeen partager ngi ko ñeneen mëna xam chaîne YouTube bi ja ngeen jëf ba benen wassalam domat il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant aimé abonné